chez Steph, bienvenue aujourd'hui pour une recette salée. Nous allons réaliser des galettes de courgettes au chorizo. Et c'est une recette que je vais faire dans mon moule 6 grands ronds, le basique que vous connaissez très bien et que l'on aime beaucoup ici à la maison. Donc c'est parti, je vous montre la recette. Le moule 6 grands ronds est posé sur la plaque en aluminium. Pour les accessoires, il nous faudra un cul de poule, le tornado, la cuillère magique, une spatule double en bout, le couteau de précision et la mini louche. Et pour les ingrédients, il nous faut de la courgette, de la mozzarella, des œufs, de la crème liquide, de la farine, du chorizo, du sel, du poivre et des épices spéciales légumes ainsi que du basilic frais. Donc pour commencer, je vais couper la courgette en morceaux et la détailler ensuite en petits dés grâce au tornado. Donc là, je la coupe encore en moitié, vaut mieux mettre des petits morceaux. Lorsque j'ai fini de hacher la courgette, je vais maintenant l'essorer un petit peu avec le tornado, donc dans la petite essoreuse. Voilà, ce qui me permet de récupérer le jus que je vais vider et surtout les petits morceaux hachés ensuite. Donc nous avons 430 g de courgettes qui sont prêtes et essorées. Ensuite, il nous faut 125 g de mozzarella que l'on va couper en petits morceaux, toujours avec notre petit couteau de précision. Voilà, on va faire des petits cubes. Enfin, il faut 60 g de chorizo, pareil que je vais détailler en cubes. Ensuite, nous allons réaliser l'appareil. Donc ici, il faut 2 œufs entiers. Que je bats à la cuillère magique. On ajoute 100 g de farine. On a alors une pâte assez épaisse que l'on va délayer avec 100 g de crème liquide. Donc ici, j'ai pris de la crème liquide légère. Je vais ajouter des épices pour légumes, le mix épices de Guy de Marle, un peu de sel et de poivre. Et maintenant j'ajoute mes courgettes râpées. Les dés de mozzarella, donc 125. Les dés de chorizo, je les répartirai ensuite dans les empreintes. Et maintenant, à l'aide de la petite louche, je peux répartir donc dans les 6 grands ronds.
Je tape sur mon plan de travail. Et ensuite, je fais cuire pendant 30 minutes à 180 degrés et on démoulera ensuite tout à l'heure ensemble. Voilà donc, après 30 minutes de cuisson, nos petites galettes de courgettes que je vais pouvoir démouler. Donc, soit sur la toile de cuisson, vous savez, les 6 en même temps, ou alors avec le petit racloir rose. Vous pouvez tout simplement démouler comme ceci et ensuite les poser sur votre plat de service. Donc là, j'ai choisi le plat rond en bambou. Et voilà, donc là, ça y est, c'est terminé. On a nos 6 galettes de courgettes chorizo. Je vais rajouter un petit peu de basilic par-dessus. Je vous prends des photos. Merci de m'avoir suivi. Je vous mets la recette comme d'habitude sur le Club Guy de Marle. Vous la retrouverez en bas, en dessous de cette description avec la liste des ingrédients, la liste du matériel que j'ai utilisé. Si vous cherchez une conseillère Guy de Marle, n'hésitez pas à me contacter ou que vous soyez en France ou en Belgique. Je pourrais vous donner des conseils, passer vos commandes avec grand plaisir. Et ensuite, je vous envoie des fichiers recettes en fonction de vos achats. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez et likez la chaîne YouTube chez Steph. Au revoir.